na confessa la boyo atato sepeli neyeni. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète. Atato sepeli suka suka ka les esprits des prophètes sont sur nos prophètes koloazo aloko atae se kwa moza deyeni. Si il y a les esprits des prophètes, ils n'ont pas modérateur et l'obéit. Stop, stop. C'est ça la doctrine. Tout ça, il y a un super doctrine. Qu'on n'a pas pour la mission. Vraiment, à pas pour la yon, il y a un bel tourbillon dans la combo de Jésus-Christ. La yon, il y a un bel bien. Puisqu'il y a un. Bien. On va dire un solo qui toque. Combo de Jésus-Massia. Aza plus que Neftali. Yebisanae, ate alors à pourquoi aller le Sambela, na compagnie de Jésus-Christ. Oui, Seigneur de gloire, tu es tout puissant. Aux Azambé, au côté de la seconde Zambé. Merci pour être au côté de Bonga. Toi, il est au côté de Bonga, au côté de Bonga. Te abisokolo, afin que pour te manger, il soit un Bonga. Yom Olobi Malamu, utilisé pour vous commencer à vous puissamment pour être à l'Obelangaï, Maloba, où il y a pas moi, où il y a quoi siré, l'Obi Konanga pour la Ekeke Oyo, l'Ibiki, Ekeke Zaligoya, l'Obi Ko, il y a comme moi, il y a ce qu'on. La compagnie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout est le Messi, monté à Mikolo, et l'on a mon bon mot de Kota. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu ces moments. Ce n'est pas par notre propre force que nous avons obtenu ces moments. À tout moment, nous implorons la grâce de Dieu pour nous assister. Et si nous recevons ce temps, nous lui rendons des actions de grâce. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre 2021. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre 2021. Et nous allons presque l'enseignement sur les 7 sceaux. Et nous sommes toujours dans notre enseignement sur les 7 sceaux. Nous allons encore le 7e sceau. Et nous exploitons maintenant là le 7e sceau. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Nous lisons d'abord Apocalypse 8, le verset premier. Le pasteur Seba va nous aider avec la traduction. Quand il ouvrit le 7e son, Tango afugula kindanga ya sambo. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Kuna na likolo kimia moko ekotaki pene ya ndambo na ngonga. Que Dieu bénisse les dieux. Zambia pambolo litaki. Ba doctrine ebele lobela sur yango. Beaucoup de doctrines ont parlé sur le 7e psaume. Mais na katia koloba na yango bazaka na souci ya komitia. Mais dans leur exposé, ils ont plus le souci d'apparaître dans cette écriture. Quand tu as besoin ou tu as le souci d'effacer le programme de Dieu pour que tu apparaisses, tu vas prêcher la fausseté. Nous disons toujours que chaque chose doit avoir une base biblique. On avait montré dans notre démarche, il faut comprendre le verset 27e de Daniel 9. Il faut comprendre le verset 27 de Daniel 9. Une semaine
ya solide alliance. Une semaine de solide alliance. Aussi, on est dans le langage une semaine. Là-bas, on a employé le langage d'une semaine. On avait pris Apocalypse 17. Verset 12. Le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues. Bama seke zomi oyomoni. Sont 10 rois. Esani bakonti zomi. Qui n'ont pas encore reçu des royaumes. Oyo bazwi nanu babo kontite. Mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Kasi oyo bakozwa bokonti lokola bakonti. C'est une heure qu'on nous a donnée. Et là-bas dans Daniel 9, 27, c'est ça, une semaine restante. Il faut d'ailleurs comprendre le langage de la Bible très bien. Il faut bien comprendre le langage des Écritures. Alors on voulait comprendre. Lorsqu'on parle de demi-heure, Non. On n'a pas dit que le silence c'est sur la terre. Non, non. Silence est à l'icône. On nous a dit que le silence est dans le ciel. Et le béni soit sur Dieu est en silence. Dans un autre langage, Dieu garde le silence. Mais silence sur la terre d'autant qu'écriture. Mais ce silence là, lorsque nous avions lu l'écriture, est à libérer la terre. Ce n'est pas un silence perpétuel. Les bruits répondront là-bas au ciel. Probablement c'est pour un temps. Parce qu'on nous dit Ezalika kapona mwangonga. Yamotolobaki que le langage à silence. C'est pourquoi nous avions dit que le langage du silence et bandika kawanate n'a pas commencé là dans Apocalypse 8. Il faut qu'on ait la base dans ce qui a été. Il faut avoir les bases bibliques dans l'ancienne alliance. Pour yabokota dans ce qui sera. Pour venir mieux entamer ou entrer dans la nouvelle alliance. Toujours qui psaume 83. On avait pris psaume 83. Souci makasi tanto sala comme sala boyeza la kaite au comprendre vraiment enseignement. Notre souci lorsque nous travaillons c'est que tu puisses bien comprendre l'enseignement. Parce que la vie est dans l'enseignement. Parce que la vie est dans l'enseignement. Yangonde to pesa kabino. Écriture sainte. C'est pourquoi nous vous donnons le Sainte Écriture. Ce que je psaume 83. Si vous prenez psaume 83, il faut évoquer tous les prophètes. Il faut savoir que tous les prophètes bien-aimés. Dans tous les chantres étaient prophètes. Nous nous basons sur l'écriture de 1 Chronique 25, le verset 1er. Lorsque tu vois ou tu lis ici Asaf en train de chanter, il est en train de prophétiser. Il montre en vérité si Dieu Asa en silence, ce qu'il s'embête à battre kimia, cela veut dire à Boinan pour agir en temps. Cela veut dire qu'il a refusé d'agir en ces moments-là. C'est pourquoi nous prenons ces textes. Lorsque nous avions lu ces textes, on avait remarqué que les nations avaient fait une alliance. Ils avaient fait des alliances pour effacer Jérusalem. Venir effacer Jérusalem. Et les bobos et Zotali Sakur, ceci nous montre bien. Jérusalem et Zalaki n'a enseignement et que Sanaki n'a pas eu banation à Zalaki n'a pas entendu. Jérusalem avait un enseignement différent de celui des nations détenues en ces temps-là. Donc, alliance ou un an. Donc, ces alliances-là, bien aimé. La prédication que Jérusalem a reçue. La prédication que Jérusalem avait reçue. Il y a pas deux uns dans la réalité, mais il y a des deux uns dans la réalité comme les choses seront.
résister l'enseignement ce sera pour résister l'enseignement qui est dans le nation et mingi mingi le 144,000 et beaucoup seront les 144,000. Avant Kolobelango, il faut talanan ba ililingi. Avant de parler de cela, on doit d'abord voir les images ou les ombres. Tobandaki d'abord avec ses premiers. On avait d'abord commencé au verset premier. Psaume 83. Psaume 83. Cantique, psaume d'Asaph. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ô Zame Kotikalate Nakatia Kimia. Ne t'éteins pas et ne te repose pas au Dieu. Donc, nous comprenons que quand Dieu a été en silence, nous comprenons que lorsque le Seigneur demeure dans le silence, les ennemis ont la facilité de faire tout ce qu'ils veulent dans Jérusalem. Et c'est ce que nous remarquons. Et nous voyons qui Apocalypse 11, verset 2. Et on avait pris Apocalypse 11, le verset 2. Avant de continuer avant. Avant que je ne continue ici. Apocalypse 11, verset 2. Apocalypse 11, le verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais les parvis extérieurs du temple laissent-les en dehors. Kasi lopango ya libanda ya tempelo tika yango libanda et ne les mesure pas ko pima yango te car il a été donné aux nations wete lopango wana epesami na mikolo et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois pe bakoya konyata kobebisa ekumesantu basanza tukumi na ina mibale. Vraiment, Jérusalem a été livré na maboko ya banasi. Jérusalem a été livré entre les mains des nations. Par l'Éternel. Ces temps-ci, c'est 42 mois. Ces temps-ci, c'est le temps de 42 mois. Ce qu'on cueille dans Apocalypse 13. Si tu te rends dans Apocalypse 13. Dans verset 5. Au verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Azobana na musala oyo ya 42 mois. À partir du signe d'adoration dans le chapitre, dans le verset 4. Donc il reçoit ce pouvoir d'agir pendant 42 mois à partir du verset 4 où on l'adore. Et le Bible, il y a Apocalypse 13 toujours. Et ils adorèrent les dragons. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Nani akokali na nyama ya uli pe nani akoki kobundisa ye. Liloba oyo mabele mobimbe koloba mo. Cette parole sera dite par toute la terre. Exactement pour la bête qui monte de l'abîme akoboma les deux témoins. C'est lorsque la bête montant de l'abîme va tuer les deux témoins. Yango ko remarquer après ba mort à deux témoins dans Apocalypse 11 verset 7. C'est pourquoi vous allez remarquer après la mort de deux témoins dans Apocalypse 11. Sokotali na verset 10. Si vous remarquez au verset 10, ma belle nuance et ses pélagues. Toute la terre était dans la jouissance. Bon aliwa, il y a deux témoins. À cause de la mort de ces deux prophètes. Nathania, on a verset 10. J'ai lu le verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront les présents les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Écriture au Dédimaraké, les deux témoins m'a frappé la terre. C'est cette écriture qui nous atteste que le avait réellement frappé la terre. Et ma frappe n'a pas mon ezana katia ma trompette. Et leurs frappes sont contenues dans le trompette. Les
quatre premières trompettes au Ezana et Zobet en Apocalypse 8. Les quatre premières trompettes qui retentissent dans Apocalypse 8. Na autorité au Bazalagina Yango. Par l'autorité qu'ils avaient, Banyokoli Mabele, ils ont tourmenté la terre. Maintenant, ceux qui m'abélé, moni moutumokoye kobongabango. Maintenant, si la terre voit un homme venir le tuer, cela veut dire qu'on peut s'amoutouana le com. Cela veut dire qu'ils seront dans l'admiration de cette personne. Yango Balobaye, qui peut combattre contre un. Nan yangwa kuki kobundisa nyamana yaouli. Tangwanande, adoration vraiment à la bête des Zobat. C'est en ce temps-là que l'adoration de la bête débute. Il faut simba kaba texte tozo loba. Il faut saisir les textes que nous donnons. Na l'ère ya 42 mois. Du temps de la période des 42 mois. Ne le bele mususu demi heure. Dans un autre langage, demi heure. Le Seigneur avozala silence. Le Seigneur sera dans le silence total. C'est ça. Il faut comprendre le silence ezawa. Et c'est ce que vous devez comprendre du silence qui est là. L'écriture ya Bible. Les écritures de la Bible. Au moment dans verset 1 à 2, vous pouvez voir le verset 1 et 2, mais 2 les a avant verset 1. Mais le verset 2 vient avant le verset 1 dans l'accomplissement. Par rapport à contexte, na moni ozomona. Par rapport à son contexte tel que tu le vois. Eza lo lengi tombona ki verset 2 na 3 y Apocalypse 11. C'est comme on avait vu le verset 2 et 3 d'Apocalypse 11. Na verset 2 d'Apocalypse 11. Au verset 2 d'Apocalypse 11. Balobi les parvis extérieurs du temple. Laisse-la. Laisse-les. Et puis ça m'a qui n'a pas nation pas foulé Jérusalem au pied pendant 42 mois. Cela a été donné aux nations et elles fouleront Jérusalem au pied pendant 42 mois. Maintenant, autant le verset 3. Maintenant, vous lisez le verset 3. Et je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtis des sacs. Pendant 1260 jours. Namikolo 1260. Mutoyemi français bien à Komona, ils ont suite logique. Et j'ai donné. Quand tu maîtrises bien la grammaire française, tu dis et je donnerai, donc c'est la suite. Et ce que tu as dit, c'est que tu as placé. Mais en regardant comment est-ce que la prophétie est placée. Au foulé Jérusalem au pied et Goya après la mort à deux ans. Le foulement au pied de Jérusalem viendra après la mort de deux ans. Parce que bah, deux témoins. Parce que le témoin. Basa comme bouche. Sont comme la bouche. Oyo et vaincre fleuve et serpent. Qui a vaincu le fleuve du serpent. Dans Bango Bazali. Lorsque eux sont là. La femme Israël a vous allez jamais foulé. La femme Israël ne sera jamais foulée au pied par les nations. Mais dans Bango Longwa. Mais lorsque ces deux prophètes seront retranchés. Et la femme Israël a vous allez exposer entre les mains de la bête et des dix rois. Cette femme sera exposée entre les mains de la bête et des dix rois. Donc vous remarquez que verset 3 est avant verset 2. Vous allez remarquer que le verset 3 vient avant le verset 2 dans l'accomplissement. C'est textuellement en Zomon au verset 1 et Apocalypse 8. C'est textuellement en remarquant le verset 1 d'Apocalypse 8. Silence d'une demi-heure. On nous parle là-bas d'un silence d'une demi-heure. Après, on va présenter cet ange. Après, on nous présente cet ange. Bah, simbi sept trompettes. Qui tient le sept trompettes. Batali si service ya souverain sacrificateur. Et puis on nous parle du service du souverain sacrificateur. Service ou la souverain sacrificateur et la gande na jour expiation dans Lévitique 16. Et ce service là se passe au jour de l'expiation dans Lévitique 16. Bah, présentant Moana. On les présente d'Apocalypse. Bazotali sa yo cause ni de côté. A frappé ma belle. On te montre la cause qui poussera le Seigneur à frapper la terre. C'est seulement le prière de saint. La manière dont ils étaient maltraités. Et eux rendaient le bien au mal. Seulement leur prière. Il y a un temps où le Seigneur avait dit à moi la vengeance. Et à Kouboa Kamo sur la terre avec des charbons de feu, esprit à jugement. Alors il va jeter leur prière avec le charbon du feu sur la terre. Pona, ma trompette à jugement, Evan. Pour que le trompette du jugement retentisse. Ma trompette à jugement, Tangwezo Banda. Et lorsque cette trompette du jugement retentisse, c'est avec les deux termes.
témoins. C'est ensemble avec le ministère de deux témoins. Il faut qu'on y ait un moment. Il faut bien le maîtriser. Dans Josué verset 13, il y a Paul et suite. Lorsque vous prenez le verset 13 d'Apocalypse, il y a un aigle qui vole. Là-bas, on te montre un aigle qui vole. L'aigle, voilà, c'est l'esprit prophétique dans le deux témoins. L'aigle, là, c'est l'esprit prophétique dans les deux prophètes qui étaient là. Parce que les deux prophètes, voilà. Parce que ces deux prophètes, Bazama Papouille en poupe. Ils sont les ailes. C'est ce qui avait fait qu'il puisse amener la femme dans le désert. Ce sont eux-mêmes là dans Apocalypse 8, le verset 13. Lorsqu'ils ont achevé leur ministère, ils ont prophétisé sur trois malheurs sur la terre. Ils ont prophétisé sur les trois malheurs à venir sur la terre. C'est la vie des prophètes. Et ça pour ça. Ils voient des choses qui. Et il les dit au présent. C'est pourquoi à la porte de la mort, arrivés à la porte de la mort, ils ont prophétisé sur les trois malheurs et Goyasima. Ils ont prophétisé sur les trois malheurs qui viendront après eux. Donc trois trompettes et Goubeta. C'est pourquoi vous allez remarquer. Cinquième trompette dans les Goubeta. Lorsque la cinquième trompette est il y a la fumée qui provient du fond de l'abîme. Et fumée les ça va sauterer. Et de cette fumée apparaissent les sauterelles. Dans les sacrifices qui sauterelles, ce sont des armées. Je vous avais montré que les sauterelles sont des armées étrangères. Donc il y a des puissantes nations et quoi ils allaient précipiter. Donc il y a des puissantes nations qui étaient précipitées dans le passé. Mais c'est qu'elle maintenant est apparaître encore. La cinquième trompette. Ces puissantes nations réapparaissent encore au son de la cinquième trompette. Les cinquièmes trompettes à fond ne concernent pas Baroyo Bazali, marqué des eaux, bas juifs. Donc la cinquième trompette ne concerne pas ceux qui étaient marqués du sceau. Donc le juif c'est là. Yango c'est 5 mois au Rokot Sangona Katia 70 semaines de Daniel T. C'est pourquoi ces 5 mois ne peuvent pas être inclus dans les 70 semaines. Parce que les 70 semaines de Daniel ont été fixées pour ton peuple. Parce que à toi. Les 70 semaines ont été fixées pour le peuple de Daniel. Et pour la ville. Mais les 5 mois qu'on nous a dit, ça ne concerne pas la ville et le peuple. Ne concerne ni la ville ni le peuple. On classe en côté un plan prophétique. Il se mêle et tu ne peux pas le placer dans le plan prophétique d'une semaine restante. Parce que voilà, dans le bas, Apocalypse 9. Là, je parle d'Apocalypse 9. Donc, ils ont la m'écriture. Ceux qui n'ont pas voulu, c'est qu'ils ont la m'écriture aussi pour Tanga qui dessine. Si je dis comme ça, c'est parce qu'on avait déjà lu des écritures autrefois ici. Nous avons un malin. Amen. Toloba Kaboué. On avait dit ceci. La nation où ils ont au-dessus d'autres nations. La nation qui est au-dessus des autres nations. Le Seigneur a présenté un homme comme un serpent du temps. Le Seigneur la présente toujours comme un serpent du temps. Comme la bête du temps. Mais ce qui a ici, mais si le Seigneur l'a fait tomber, c'est comme si le Seigneur la brûle. À bois qui est en profondeur de la terre, et donc dans les abîmes. Le Seigneur la précipite dans les profondeurs de la terre, dans les abîmes. Wana à permettre que la nation soit tombée. Et là, le Seigneur permet l'élévation d'une autre nation. Et nation qui tombe en masse, vous allez comme serpent du temps. Et l'autre nation qui s'élèvera sera encore une autre serpent du temps. Puis c'est qui Isaïe 14, dans le Belaki. On avait donné Isaïe 14 lorsqu'on en avait parlé. Le verset 29. Clairement, on l'avait clairement remarqué. Et la Syrie, c'est un serpent. Mais après, Basilique, Babylone. Et ce serpent basilique, c'est Babylone. C'est un serpent aussi. Azapé Nyoka. Tozoki Jérémie 8, verset 17. On avait aussi Jérémie 8, le verset 17. Et Tozoki aussi Jérémie 46, verset 22. On avait pris encore Jérémie 46, le verset 20. Ils ont présenté Nebuchadnezzar, roi de Babylone. On présente Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Comme un serpent. Loko la Nyoka. Parce qu'il y a un Nazareth qui a dominé en ces temps-là. Parce que c'est lui qui dominait la terre en ces temps-là. Tolobaki Bongo. On avait dit. Comme ça. Amen.
On avait avancé dans notre exposé. Lorsque le Seigneur lorsque le Seigneur précipite les nations puissantes qui étaient élevées, et ils aillent tous se retrouver dans les séjours de mort. On avait lu Ésaïe 14. On avait vu là-bas la chute des Babylones. Lorsque le Seigneur restaurait Israël, il précipite Babylone. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Oh, et ça l'a calme que comment. T'as la koya pour restaurer Israël Nasuka. Yemoko le Seigneur le libérateur. Lorsque le libérateur lui-même viendra restaurer Israël dans la suite des temps. A koukoué ça les serpents du temps. Il précipitera encore les serpents du temps. Ozola Namalam. Vous suivez attentivement. Yango. Tant tout talisaki. C'est pourquoi quand nous avions montré. Toutanga kanabino Esaïe 26. On avait lu ensemble Ésaïe 26. Nous allons les relire et nous n'allons pas nous enlacer. Au moins Ésaïe 36. Vous voyez, 26 plutôt. Ésaïe 26. À partir du verset 20. À partir du verset 20. Tu es dit que tant nous avons à juger Pharaon. Nous savons que lorsque le Seigneur veut juger Pharaon. Nzamba salaki que Moïse azongisa mwasi na ye na Madian. Le Seigneur avait fait que Moïse puisse faire retourner sa femme à Madian. Madian ezalaki neti ezalaki na nord ya Égypte. Madian c'est comme au nord de l'Égypte. Donc tango azolinga ya na Madian pour na jugement ya na Égypte pour na jugement ya. Lorsqu'il veut se rendre en Égypte pour le jugement de cette dernière, le Seigneur intercalait. Le Seigneur l'avait intercepté. Pour faire retourner sa femme chez son père. Position à Zalani. La position qu'il avait. La position d'Andaku et Seigneur qui se fera zon. Et la position où Sephora devait rentrer. Position d'Andaku et Seigneur qui se fera zon. Cette montagne, la position, en quittant Madian vers l'Égypte, c'est comme on descend. Maintenant, retourner à Madian, c'est comme on monte. Donc, t'as raison que c'est sa femme. Donc, en faisant retourner sa femme, et ça, il est bon enlèvement. Donc, c'est le signe de notre enlèvement. Donc, on est dans la position bas, pas qu'il y a une position haute. Donc, il quittait la position bas vers la position haute. Donc, Azalaki va préserver la femme. Donc on avait préservé la femme de châtiment des sur l'Égypte. C'est qui était ce qui sera. Oui, ça l'a quand même écouté. Alobie Moko na Philippe na Apocalypse 3, verset 10. Il dit lui-même dans Apocalypse 3, verset 10. Que va garder sa parole. Que ceux qui gardent. Sur la terre. Il leur gardera aussi de la tentation qui doit venir sur le monde entier. Donc, le Seigneur les amènera au ciel véritable. Et les Sephora zongaki na niveau likolo. Les signes, c'est Sephora qui retourne vers la position haute à Madian. Jugement Égypte, Sephora mon amoté. Sephora n'avait pas vu le jugement de Dieu sur l'Égypte. Mais tant ici, mais lorsque cela a pris fin, Moïse a mis le peuple. Moïse est sorti avec le peuple. Sephora était dans la position haute. Sephora provenait là-bas de la position haute. Et puis, elle vient croiser son époux. Wana tant biso to kozonga après jugement n'ayosa sur la terre. Lorsque nous serons de retour sur la terre après le jugement, to kozonga, nous y rentrerons. Sephora Zahou dans la position haute à Zozon. Parce que Sephora provenait de la position haute et retournait. Avec son père. Nous savons que le père est esprit. Ce qu'il adore doit l'adorer en esprit et en vérité. C'est l'esprit Nego Kambabiso Nakata Magamnion. Et c'est l'esprit qui nous conduira en toutes choses. Mouvement Wana Zambatiamo la prophétie dans Isaïe 26. Ce mouvement-là, le Seigneur l'a mise dans la prophétie des Esprits. À partir du verset 20. À partir du verset 20. J'ai le nom de Jésus-Christ. Un temps qui n'a compris. Va mon peuple. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Bombana
jusqu'à ce que la colère soit passée. Vous aurez un malam. Vous suivez attentivement. C'est seulement c'est pour. C'est seulement c'est pour bien aimé. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Maintenant, Zamba vous explique la colère à mon verset 21. Maintenant, le Seigneur explique cette colère. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Dala Yahweh a bimi nanda konaye. Pour punir les crimes des habitants de la terre. On a coupé ses tombes na mbeba ya bafandi ya mabele. Et la terre mettra le sang à nu. Mbeba bele et kotia makila bato polele. La terre. Dans cette terre. Yamone la lune sera comme du sang. C'est ça la lune qui sera comme du sang au sixième saut. Amen. Parce que terre est comparable à la lune. Parce que la terre est comparable à la lune dans les Écritures. C'est excellent dans Josué chapitre 1er verset 3e. C'est excellent dans Josué 1er le verset. Et si là où tu es ma tombe nayo. Là où tu poses la plante de ton pied. Et puis se mêler. Étonné. Mais la femme d'Apocalypse 12. Mais la femme d'Apocalypse 12. A tient ma tombe nayo de na sanga. Avait posé ses pieds sur la lune. C'est la terre la promesse. Et Salim m'a appelé la ka. Zola na malam. Amen. Sinangoline. Et c'est là pour signe la lune. Cette terre aussi ça comme l'île. M'a appelé au pays bato bafandi ça loko la sanza. Tamba le comme comme du sang. Lorsqu'on dit que la lune deviendra comme du sang. Soko langi tamba ba châtiment ezo salem. Si vous suivez lorsque les châtiments s'accomplissaient. Vous n'allez pas remarquer là où la lune devient comme du sang. Donc on continue dans l'Apocalypse dans la trompette. Vous continuez dans les trompettes d'Apocalypse. Vous allez dans la coupe. Vous regardez dans le coupe. Dans le fléau. Dans le fléau. L'île est comme rouge. La lune ne devient pas rouge du sang, non? Esaïe dans le Bélaka rouge, voilà, Esaïe que la terre mettra le sang à nu. Et c'est Esaïe qui avait parlé de la lune qui devient rouge comme la terre qui met le sang à nu. Et là, comment côté vous en encore caché. Et rien ne sera caché. Maintenant, quand le Seigneur sort pour juger. Maintenant, lorsque le Seigneur sort de sa demeure pour punir. C'est l'Armageddon. Esaïe qui tomba, il y a Armageddon. Et mimi en vous au maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En ces jours. Voilà la commune Esaïe 27. L'Éternel frappera de sa dure grande et forte épais. Les Léviathans serpent fouillard. Donc, à Zakin, Égypte, tant que l'Égypte a coué à Kimi, à côté de la Syrie a coué à Kimi, à côté. C'est un serpent fuyard. Donc c'est un serpent fuyard qui fait de nation en nation. Les Léviathans serpent tortueux. Et il tiendra les monstres qui est dans la mer. Mer est comme peuple, foule, nation, langue. Il y a un monstre. Donc la mer c'est comme le peuple, le foule, nation et le lac. Il y a un monstre. Monstre, wana, c'est la bête ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est un monstre. Et ce monstre là c'est la bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Ah ouais, ça chute l'Empire romain. Donc ici c'est la chute de l'Empire. Mais on va présenter comme serpent du temps. Mais on présente cela comme le serpent du temps. Du temps où le Seigneur vient dans l'Armageddon. En ce jour-là, chantait un cantique sur la vie. Donc Israël a crié. Donc Israël chantera. Juger les serpents du temps. Lorsque le Seigneur juge les serpents du temps, Israël chante. Israël a crié. Mais avant ce combat. Mais avant ce combat, bien-aimé. Oui, éternel, il est mon corps. Et l'éternel lui-même. Silence est causé. Le silence sera établi. Nous sommes dans le malin. Nous nous faisons bien comprendre. En place de nous taris en silence, on a tous dans le psaume 83. Nous rentrons maintenant dans notre écriture de psaume 83. Je pense que nous sommes ensemble. Je pense que nous marchons ensemble, bien-aimé. Tout le monde qui bouille. On avait dit ceci.
Quand les deux uns bassissent six services en bango, lorsque les deux uns achèvent leur rôle à deux uns, ils ont l'esprit d'Élie. Le rôle de deux uns bassalit dans mon livre Élie. L'esprit où est-il mais là bas faux mariage. L'esprit qui s'oppose au faux mariage. Ils vont faire quitter Israël dans les alliances des nations de la terre. Mais une partie d'Israël va se faire quitter dans l'alliance. Il y a ma nation, le Colaka, Bazalaki, Niena, Sidon, na Jézabel. Une autre partie d'Israël se fera demeurer toujours dans les alliances des nations comme Akab était lié à Jézabel. Bangonde, Bazalaba, traître de l'alliance. Ce sont eux qui seront le traître de l'alliance. Après la mort de Zoé. Nassima, Baliwa, Batengenekebi, Bali. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, à Safawa. Mais non, ici à Zav, Azotal et sa silence. Il montre le silence. Avant de continuer, tout le temps, écriture, nous sommes dans l'Ésaïe 42. Avant de continuer, lisons une autre écriture qu'on avait lue la fois passée dans Ésaïe 42. Verset 14. Hein. Le verset 14. Nabani, na verset 13, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel s'avance comme un héros. Yahweh a sali qu'on pousse en aloko la molongi. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Azali ko mipesa penza bolingo bitumba loko la motoni. Il élève la voix. Azali ko tombo la mongongo. Il jette des cris. Azo kanda kanga. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Azo tali sa bokasi ne mi kola banguna na ye. J'ai longtemps gardé silence. Donc ici, il montre que le silence, c'est s'abstenir d'agir. Alors, je me suis tué. Je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Maintenant. Je serai à l'étang. Et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagne et collines. Les collines, c'est ce que tu vois dans l'Apocalypse 17. Ce sont des rois. C'est pourquoi tu le roi de la terre. Le roi de la terre. Montagne Moussousou. Couvrez-nous devant la colère de Dieu. Montagne. Vous pensez que c'est les montagnes qui vont voir sa montagne tomber sur nous? Est-ce qu'on peut dire aux montagnes de tomber sur nous? Ah, voyons, bah, ces montagnes-là t'écouteront-ils, bien-aimé? Bah, roi, bah, ça va s'adresser à ma montagne à 6e saut. Le roi s'adressait aux montagnes au 6e saut. Cache-nous. Tomber sur nous. Pourquoi il a dit son bomba bisou? Qu'est-ce que cela veut dire? Ma montagne, c'est. La bête et le tiroir. Les montagnes dont le roi s'adressait, c'était la bête et le tiroir. Batalisaki de Bangonde Bazambi. Il savait faire voir que c'était eux de Dieu. Bangonde Bazambi dominer la terre. Ce sont eux qui sont les dominateurs. Balonie la bête à cause de ma nom de blasphème. On dit Niama Yahou à cause de ma comme Kotuka. Donc cela veut dire à quoi Benganit l'éternel sauveur. Donc il peut s'appeler l'éternel sauveur. Avant même d'être dans son roi d'Israël. Donc il peut s'appeler sauveur d'Israël. Mais comment en tout cas? C'est ce qu'Apocalypse 13 est selon. Et ce que nous dit Apocalypse 13. Et une bouche et peut s'aimer. Mais mon nom, comment que pour le baba blasphème, à Apocalypse les très hauts. Pour proférer des blasphèmes et des paroles arrogantes contre les très. Pendant 42 ans. Na basanza tukumine ina mi. Là le Seigneur garde cela. Et là le Seigneur se contient. Na vie na yo, il faut lingaka nzamba loba. Dans ta vie, il faut toujours aimer que le Seigneur parle. C'est très important yo kaka nzamba. Et ça pour tout ya bien aimé. Na kati ya makambo no nzamba fanda kimya te. Donc le problème que Dieu ne demeure pas dans le silence. Donc le Seigneur s'était tué pour que la bête arrive au comble de son iniquité. Donc Azala ma bé pour Zamba précipité. Qu'il fasse encore beaucoup de mal pour que le Seigneur le précipite. Yamone, verset 27 des Zoloba. C'est ce que nous dit le verset. Il y a Daniel 9. De Daniel 9.
l'abomination à quoi commettre. Donc les abominations qu'il commettra. Vous aurez en amalant. Vous suivez attentivement. C'est très important. Et ça vous touille à ma tasse. Mais Esaïe a oiseau et les missions que ceux qui ne sont pas familles silencieux, cela veut dire aboyinan ou agir. Donc Esaïe nous aide à comprendre que si le Seigneur demeure dans le silence, c'est qu'il refuse d'agir. Mais Koya ou agir. Mais il viendra agir. T'as besoin pour agir, Azali, pour ravager ma montagne. Lorsqu'il agit, il ravage montagne et colline. Vous aurez en amalant. Non. Ma montagne na colline oyo baza présenté na Daniel 7 verset 11. Ces montagnes, ces collines sont présentées dans Daniel 7 le verset 11. Daniel 7. Daniel 7 le verset 11. Le verset 11. J'ai le nom de Jésus-Christ. Nathalie n'a pas. J'ai regardé alors. À cause des paroles arrogantes qu'il prononçait la corne. Corne, il y a roi du temps. Cette corne-là, c'est ça le roi ou la bête du temps. La bête du temps. Et tandis que j'ai regardé, l'animal fit tuer. Et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Cela veut dire va mettre fin à règne. Cela veut dire qu'on a mis fin à son règne sur la terre. C'est ça le langage fait pour brûler. C'est ça le langage de livrer au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Donc, il y avait des animaux. Et ces animaux-là, ce sont comme les tirois. Ah, ces animaux comme les tirois de la vie. Bamoni basako présenté comme Babokondi Amabele. Deux qui étaient présentés comme le royaume de la terre. Et basaki en alliance na tête na bango qui est la bête. Ils étaient en alliance et à leur tête c'était la bête. Dieu tira la bête. La bête c'est tout un royaume. La bête c'est tout un royaume. À commettre fin. Il mettra fin à ce royaume. Pour sa royaume éternel. Pour chercher à introduire le royaume éternel. Mais par royaume moussous, donc par bête moussous. Mais d'autres royaumes ou d'autres bêtes. Bangouyawe et Zalani Bokamba Bango. La puissance satanique qui les animait. Zamba Kolongola. Les seigneurs valent la leur des. Pourquoi le Seigneur va l'heure de prier? Pendant 1000 ans. Pour qu'il puisse les servir pendant 1000 ans. Le Seigneur a une puissance sans limite. Nous avons voulu guérir Babylone. Babylone n'a pas guéri. Abandonnons-la. C'est pourquoi les nations venues de Luka qui tombe qui sa Babylone a cassé qui quitté. Donc, et tout c'était sous la puissance. Mais prophétie le dit abandonnons là. Mais la propre prophétie dit les nations diront tout cahier. Tant qu'on a été équipé sur le ministère de Jérémie. Lorsque je vous avais prêché sur le ministère de Jérémie, il y a mon où ils ont exprimé. Le Seigneur va dépouiller leur puissance. Cela veut dire Kulungola Kouya. C'est pourquoi ici cela est exprimé par le dépouillement de puissance qui sont dans le sceau. Lorsqu'il va dépouiller cette puissance, à couper sa bango prolongation de vie. Il va leur donner une prolongation. Prolongation de vie, il y a moins des règnes de 1000 ans. Prolongation de vie, c'est ça, 1000 ans de règne sur la terre. Amen. Ah, donc il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi vous allez remarquer, bien aimé. Quel est l'obéi à mon zambé? Dans le langage divin. Oyonzamba lobi. C'est que le Seigneur a dit. Kodoute na kodé. Ne doute pas de la parole de Dieu. Psaume 22 le livre. Psaume 22 dit ceci. Ezota dit ça que. Psaume 22 nous montre. Psaume chapitre 22e. Psaume chapitre 22. D'ailleurs, tu es dit qu'il y a une prophétie. D'ailleurs, nous savons que c'est une prophétie. Psaume de David. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était une prophétie qui s'est accomplie à la croix avec Jésus. Vous suivez attentivement.
Et si vous continuez, cela parle de la croix après la croix, le temps de l'église. Toujours dans psaume 22. Je prends seulement ces écritures là. Verset 15. Je suis comme de l'eau qui se coule. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Car des chiens m'environnent. Une bande de serrera rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Nous l'avons vu à la croix avec Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on l'avait? Il parlait de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Alors Christ a dit que quand vous lisez ça, parle de moi. C'est pourquoi Christ a dit quand vous lisez les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Alors je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent. Yoka verset 19. Ah oui, ça 18. Ils se partagent mes vêtements. Il dit ressort ma tunique. C'était le soldat qui avait accompli cette écriture. Mais David a ici David dit que c'est lui qu'on s'est partagé le vêtement. Donc c'est que à l'obiti à Dali ici maintenant dans verset 22e. Mais non, il montre verset 22. Je publierai ton nom parmi mes frères. Nako, tato la kakombo na katika tsabane konanga. Wana town. Là, c'est notre temps de l'église. Parce que Hébreu 2 le dit, il n'a point honte de les appeler frères. Parce que Hébreu a dit que Jésus n'a pas honte de nous appeler, nous, ses frères. Et il témoigne son nom parmi les frères. Donc c'est après souffrance. Donc après cette souffrance du Christ, je publierai ton nom parmi mes frères. Il y a mon nazo salamonaka dans le ministère de la parole. C'est ce qu'il fait dans le ministère de la je parole. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob. Glorifiez-les, tremblez devant lui, vous tous postérités d'Israël. Dans le livre verset 26, qui sera dans la grande assemblée l'objet de mes louanges? J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Là, c'est déjà notre temps. Ce qui t'en a mis ici, et si notre temps, les malheureux mangeront. Et ces arbres-là seront. Là, Israël. Là, c'est Israël. Ceux qui cherchent l'Éternel les célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel. Et se tourneront vers lui. On attend déjà Zambé à dépouiller ma bête sous puissance. Là, c'est après que le Seigneur aura dépouillé la puissance des autres bêtes qui étaient restées sur la terre. Maintenant, habitants de la terre, maintenant, tous les habitants de la terre penseront à Yahweh Jésus-Christ. Ils attendent millénaires. C'est au règne de mille ans. Vous suivez attentivement le classement. Toutes les extrémités de terre penseront à l'Éternel. Et se tourneront vers lui. Toutes les familles de la terre se prosterneront devant ta face.
Là, c'est le temps de millénium. Parce que Satan sera lié. Car à l'Éternel appartient le règne. Pourquoi toute la terre ne pensera qu'à l'Éternel? Parce que le règne lui appartient. Il domine sur les nations. Nous en amen. Donc, psaume 22, le mélange de vignons, de Christ à Koufi, de temps église et Kobanda, de jugement en Bekoya, de dépouiller la puissante nation, de Père Kotia, règne millénaire. Donc, psaume 22, le mélange. Amen. Il parle de toutes ces étapes. C'est pourquoi ma chante pas avec ma prophète. C'est pourquoi tous ces chants prophétisaient, c'était des prophètes. Vous aurez un amalam. Donc, oyo nyonso oyo. Dans tout ceci, Dieu sera dépouillé. Puissance, oyeza Nicolas, ma bête, nous donc dix rois. Donc, si le Seigneur dépouille la puissance qui est sur le sautre bête, Zacharie 8, verset 23, Yenobi. Zacharie 8, le verset 23 nous dit. Zacharie 8, verset 23. Zacharie 8, le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Bon, Yenobi, ouais, nabi, bene. En ces jours-là, disons, batosomi, de toutes les langues des nations. Yabakota, nyonso, yabikolo, ma bene. Disons, il y a toutes les langues. Donc, de toutes les langues. Combien de langues? Donc, il y a combien de langues sur la terre, bien-aimés? 10 hommes de toutes les langues des nations. 10 hommes de toutes les langues. Saisiront un juif. Par les pans de son vêtement. Et diront, nous irons avec vous. Car nous avons appris que Dieu est avec vous. 10 hommes, c'est comme les 10 orteils du pied de la statue que Nebuchadnezzar avait vu dans le songe. Et eux-mêmes sont comme les 10 rois d'Apocalypse 17. Mais ils dépouillés de leur pouvoir. Mais ils seront dépouillés de leur puissance. Pensez maintenant à l'Éternel dans l'ère à millénium. Dieu bénisse. Amen. Tu continues lecture dans le psaume 83. Dans le psaume 83 pour aller. Nous sillonnons comme ça pour ta compréhension. Parce que souci n'engage à comprendre très bien et l'autre aussi. Parce que mon souci est que tu saisisses très bien ce que tu écoutes. Te confirmer. Nous confirmons. Que le Seigneur demeurait dans le silence. C'est-à-dire qu'il refuse d'agir. Et on l'a vu dans Ésaïe 42. Verset 14. Le verset 14. On l'a vu. Après silence, agir makasi. Après son silence, il va agir puissamment. Et silence, on a déjà psaume 83 et le bébé en place de Zotanga déjà. Et ce silence-là, psaume 83, on avait parlé là où nous lisons maintenant. Là. Et Zotali Sake, alliance Yaba Nation. Cela montre que l'alliance des nations. Par côté les Mela, terre sainte. Donc ils vont s'opposer à la ville sainte qui est Jérusalem. Il y a un bon verset 2e et le bébé que Jérusalem sera foulé au pied d'Apocalypse 11. C'est pourquoi le verset 2 d'Apocalypse 11 nous dit. Jérusalem à Baponia, tango kobe ni savait pas Nicolo. Et tout à l'heure, c'est aussi dans Luc 21, verset 24. Et on avait montré aussi dans Luc 21, le verset 24. Dieu a prophétisé que Jérusalem est qu'on a foulé au pied. Le Seigneur avait prophétisé sur la destruction de Jérusalem. Jusqu'à ce que le temps des nations aussi là. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, ce qui temps des nations est ça. Donc, si le temps des nations sont encore là. Jérusalem est ça, la possibilité de fouler au pied. Donc, il y a encore possibilité qu'on puisse fouler Jérusalem au pied. C'est ce que Jésus a l'obagé. Et c'est ce que le Christ avait dit. Le cola, deuxième moitié. Comme la deuxième moitié, il y a une semaine écoutée là, d'une semaine restante, et ça même tamboyo la bête à cause de la pouvoir il y a 42 mois. C'est le même temps que la bête aura le pouvoir de. À quoi manifester les noms des blasphèmes.
va manifester le nom de blasphème. Donc aux oies attribuer les dieux, s'approprier encore. Donc s'approprier de la tribu du Dieu tout puissant. À cause là qu'il va adorer. Il fera que toute la terre l'adore. Et à piétiner Jérusalem. Avec ses dieux. Yango pe psaume 83 zoloba. Et c'est ce que nous dit aussi psaume 83. Ne t'étais pas, ne te repose pas au Dieu. Ne bande la lobby au Dieu, ne reste pas dans les silences. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Moutouna bango c'est la bête. Leur tête c'est la bête, bien aimé. Baza 10. Ils sont 10. Mais leur tête est tombouami. Tête mort. Leur tête s'élève toute seule. Tête wana c'est la bête. Et cette tête c'est la bête. Oh, bébé, si pouvoir. À qui on a remis toute l'autorité. Tang bazo tang bango tang bango 10. Donc lorsqu'on les compte, c'est 10. Mais bas 8 têtes n'a bango ba tombouli. Mais ils ont levé une seule tête qui est la leur. Tête wana c'est la bête. C'est ça la bête. Zola na malam. Amen. Yamo komona. C'est pourquoi tu vas remarquer. Le mec sera vengé dans cette fois. Le mec yé bako songi samabe na nenge basaliye mbala tuku sambo na sambo. Wana nyoso eza enseignement. Tout ça ce sont des enseignements. Dans Genèse 4. C'est dans Genèse 4. Naebi sakabatu le mec sera. J'ai toujours dit aux gens le mec ako salaka. Caïn sera vengé. Sera les affidiers. Donc, c'est ce qui viendra là. Tikanam Genèse 4. Genèse, on t'a bien maintenant, dit. Continue ma page. Sera. Continue la page. Quel est Genèse 5? Sera. Genèse 5. Sera. Sera. Tiomona. Jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de cette prophétie. C'est Sera. Et vous allez attendre. Dieu qui est de bon moment, on le dit, le mec y est. Oh, le mec, il est là. Le mec avait des femmes. Le mec a sa cravasse. Et mon co Adam, vous vous soutiez. L'une s'appelait Ada et l'autre s'appelait Tila. La première femme, moi c'est Aliboso. Abotaki, moi, Aliboso. Elle avait enfanté le premier fils. Moi, Nana Aliboso. Et son premier fils. Afin d'aka, près des troupeaux. Et ce fils-là demeure toujours près des troupeaux. Oui, les choses de Dieu sont succulentes si le Seigneur te les donne. J'ai toujours dit à Dieu, donne de la fortune aux autres, ils vont m'aider. Et ça n'a pas d'interprétation. Donne-moi l'explication de la parole. L'interprétation, nous avons partout. L'explication, je ne l'aurai pas partout. Au moment où tu appelles un don, il y a des pitié. Donc tu peux aussi croiser les après, si on peut contenir le dino, il te donne le contenu. Ma mauvaise interprétation. Il ne te donnera pas l'explication de ce c'est faux, Luca Oyo, ils ont périr. Il faut chercher ce qui est immuable et éternel. Les sous-sous, on appelle ça même arabe. Les autres là, ils les donnent même aux arabes. Les gisements de pétrole. Les gisements de pétrole. Mais arabe a été. Mais les arabes ne le connaissent pas. C'est le Seigneur qui donne les richesses. C'est notre Dieu qui a mis toutes les richesses dans les eaux et sous la terre. Ma famille on a pas mis Jésus. Ces familles-là ne connaissent pas. Mais bas ça dépense journalière. Mais leur dépense par jour. $100,000. $100,000. Donc on va attendre dans les 6 heures. Donc 6 heures à partir de 6 heures. Jusqu'à. C'est ça aussi là. 18 heures. 18 heures. À comptabiliser sortir d'abord $100,000. On comptabilise toutes leurs dépenses $100,000. Mais pas ça va malheureux. Mais ils sont très malheureux. Pour bah aimer Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas le Christ de Jésus. Bah nous sommes malades dans la ville là-bas. On est allé à la Rome. Ils ont 400,000 euros. Et d'autres même. 400,000. D'autres se vêtissent de robes de 400,000 euros. N'importe n'a pas n'importe quoi maman pas combien. Et combien de personnes dans un seul. Les robes. Mais c'est la robe d'une seule personne. Tout ça c'est vanité. Poursuit divin. Le Seigneur nous suffit. Si tu as le Seigneur, réjouis-toi. Christ est tout.
Il faut sentir cette joie-là parce que tu sais. Même si tu dois rapporter. Si tu prends la question, c'est il te dit que tu n'es pas pauvre. On a dit ça, là. Tu es dans la famille. Non, papa, je ne suis pas pauvre. Je suis pas pauvre. C'est Dieu qui me l'a dit. Je suis béni. Je suis béni. Mais je suis dans la famille. Je suis la parole que l'Éternel m'a dit. J'ai dit que sa parole est pour s'accomplir certainement. Je sais que sa parole s'accomplira certainement, bien-aimé. Parce que c'est lui qui l'a dit. Cela s'accomplira certainement. Son calomni, s'il dit, au Kobota, tu auras des enfants. Même si tu n'as pas encore touché les enfants dans ton mariage, il faut toujours confesser que j'aurai des enfants. Ok, vraiment à marcher. Tu te rends vraiment au marché. On se met ma couche. Tu achètes des couches. Ni Zamba, c'est une aké. Seigneur m'avait dit que j'aurais des enfants. C'est pour avant qu'on a dit, ah oui, on s'en a bien. La foi est la folie. Pour les gens qui ont la foi, c'est une folie. Et la folie. Mais ça ne peut pas. Et ne pas entendre pas. Cela dépasse leur entendement. Quand on prononce la foi. Lorsque tu prononces la foi. Il faut simba au zamba no pi. Il faut saisir ce que le Seigneur a dit. Tant qu'on simbi au zamba no pi. Lorsque tu saisis ce que le Seigneur a dit. Sache que tu as saisi le bonheur de ta vie à perpétuité. L'ennemi n'est pas que tu obtiennes le temps de prière. L'ennemi en tout cas refuse ça. Mais toi de ton côté, parce que pour son nom, sa mère, parce que dialoguer avec le Seigneur, et l'on a la confusion dans ma tête. Cela enlève la confusion dans les choses, dans le problème. On va sentir que l'esprit n'est pas tranquille. Maintenant, tu vas constater que ton esprit s'est tranquillisé. Lorsque tu pries beaucoup, à tous en pauvreté. Même si tu n'as pas. Mais on sentit que tu peux baiser mais tu sens comme si tu devrais très riche. Donc, tu sens vraiment la joie. Pose une taille à comique à mes pans. Parce que tu as pris le temps de t'adonner au Seigneur. Que cela abonde en toi vraiment bien. N'essaye pas de reculer. Il faut na kati na yo. Il faut que cette chose soit vraiment en toi, considérer la nature de Dieu. Pour écouter ce que le Seigneur dit à ton sujet. C'est pourquoi nous prenons déjà le temps de prier. Parce que nous avons toujours malembe par la grâce de Dieu. Parce que nous marchons avec cette pensée petit à petit par la grâce. Zala na confiance que Nzambe na temps oyo aza pembeni na yo. Sois content que Dieu en ces temps est à côté de toi. Abotika yo te. Il ne t'abandonnera jamais. Attends mon colo. Alors qui invoque moi. Je te répondrai. Et donc, nous avons confiance en ma casse. Il faut être confiant en cette parole. Parce que Zambaza Zambé a bon oeil. Parce que le Seigneur est un Dieu. Zambaza Zambé a solution. Notre Dieu est un Dieu de solution. Nous nous l'aimons nous tous. En volume à Zambé. Par la grâce de Dieu. Tu vas confesser le nom du Seigneur Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom qui est la véritable lumière. Le nom qui change les temps et les circonstances. Le nom qui nous donne des solutions. Le nom qui essuie nos larmes pour nous donner la joie. Nous prions le Dieu de Dieu bien-aimé. Nata torakayo zambe na pune ya we na biya no moroa. Naye ne vaka kombo na yo zambe na biya no mon Dieu magnifique. Ozali lisi kona solo roche. Ozali ebo belo monene puissant. C'est un refuge mon Dieu.
Tu es la véritable lumière en Jésus-Christ. Bandana yo mokoti kuswa zalite. Hors de toi, il n'y a point un autre roi. Mon cœur témoigne ton nom, oh Dieu. Mon cœur glorifie ton nom, Seigneur. Mon cœur élève ton nom, oh Jésus. C'est toi qui es bon pour moi aussi. C'est toi qui es le véritable prodige. Qui pourrait se mesurer à ta puissance? Qui pourrait se mesurer à ton autorité? C'est toi qui es la grande lumière. Pour ma main, Seigneur, sois glorifié au Dieu. Zalana yo béni. Sois béni, Seigneur. Zalana yo élevé. Sois élevé au Jésus. Kuyana yo neza kuya ya solo. C'est ta puissance qui est la véritable. Azali kotato la monene na yo parce que zali za. Je confesse la grandeur parce que tu es Dieu. Ozali pikama na solo, Seigneur. Tu es le véritable prodige. Ozali lisiko monene roche. Tu es la grande rédemption. Ozali zambe na banza. Tu es le Dieu. C'est un nom qui ôte les confusions. C'est un nom qui ôte les troubles. C'est un nom qui ôte toutes les confusions. C'est un nom qui nous relève. Là où nous sommes tombés, c'est toi qui nous restes. Là où nous péchons, c'est toi qui nous pardonnes. C'est toi qui es le véritable rédempteur. C'est toi qui nous as vêtu l'événement de fête. Sois glorifié, oh Dieu. Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Tu es le Dieu de victoire. Seigneur, je confesse ton nom. Seigneur, je confesse ton nom, mon rocher. Seigneur, je te confesse puissant. Glorieux. Je te confesse le Dieu glorieux. Tu es le Dieu. Seigneur. Tu es notre force. Donne-nous la forme, la façon de servir. Seigneur, continue pour te servir. Montre-toi favorable, Dieu Saint, le Dieu qui exauce les prières. Que ta main puissante fasse le prodige. Dieu est la grande rédemption, Seigneur. Dieu est le véritable refuge, oh Dieu. Tu es parfait en tout, oh Dieu. Inonde mon cœur, mon repos est parfait quand je suis à tes pieds. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Sambela, prie. Yemi sans ambe, pesa ma makasi na onzera. Dis au Seigneur de te donner la force sur ce chemin. Donne-moi la haine du péché. Conduis-moi sur ces chemins et m'abandonne. Fortifie-moi. Fortifie aussi ma soeur, mon frère. Fortifie-moi. Prions le Dieu de Dieu. Dieu, Dieu, mon cher. Et par ta puissance efficace, oh Dieu, Seigneur, purifie, Seigneur, purifie, oh Dieu, purifie encore mon cœur, influence-moi, oh Dieu, Seigneur, influence-moi, oh Dieu, Seigneur,
Selon ta parole, Il est écrit que les diables rôdent autour de nous comme un lion rugissant. Mais ordonnance d'Ozan Amoué Panzambé le Biboué. Mais l'ordonnance que nous avons du Seigneur nous résiste. Résistez-lui avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. C'est pourquoi là où tu vois des complications, on pousse. Il perpétue son combat, monde des ténèbres. Dans la combo, n'a pas télévélé. Tout le vent du combat du monde des ténèbres, cite le nom et pousse-toi. Il n'y a pas que tant aux Zoloba et aux Bongwama. Mais sache que quand tu parles, c'est la chance. On ligne les Zoloba. Et les ténèbres sont les Zoya. Pour que la lumière. L'Iwa et Zoloba. La mort se dissipe. Bongo et Zoya. Et la vie s'établit. Et si Kabakana qui l'Iwa. Déclarez mon moyen condamné. Là on avait prévu la mort, déclare la échec. Là on avait prévu les échecs. Quel est là le bac victoire. Et oppose-toi et papa. Récite. Que la récite vienne. Bon bon la bukisaki. Que mon argent. Que cela me soit retourné au nom de Jésus. Zambason qui saka. Le Seigneur restaure. Tamou H n'allait réaliser, fils des prophètes. À quoi est-ce qu'on a gâté maï? Lorsque le fils des prophètes fit tomber l'arche dans l'eau. Fils des prophètes à l'obi. Le fils des prophètes. N'a défaguia. Je l'avais emprunté. Moi, ça qu'on a l'homme qui ou a placé quoi. Le prophète a dit où est-ce que ça qui était dans cette terre? Il a récupéré un morceau de bois. Ça m'a zongi ça et bené. Et le Seigneur avait fait surnager le fer. Et bené, tamboli le colonne à maï. Et le fer a surnagé sur l'eau. Qui est pétou? Zambia, situation qui est incapable. Tu peux voir une situation difficile. Mais ce qui est impossible aux autres. Impossible à Dieu. Il faut demander. Il faut le croire ainsi. Ton Dieu est plus grand que les problèmes aux arabes. Lorsque tu penses aux esprits mauvais. C'est le Seigneur qui opère. Ton Jésus-Christ. Je de l'autorité que le Seigneur m'a donné.
Pour tous les saints.